J'écoute Alter, je te sens te coster, t'as le risque trop tôt. Quand j'ai nalé sondage, pourquoi tu m'aurais dit, t'as le risque trop tôt, curé du vin. Puis maman, elle va sur les coups. A vu le télégramme. Elle est maquisard à Bestel au coin du feu là. Ah oui, papa de Jacobert qui. Ah oui. A une autre qui ne découvre maquisard. Mais ça, c'est un sage de. De Bantin. De Bestel, oui. Ah ben, mais c'est parce que c'est lui qui l'a raconté, mais il ne sait rien. Il y avait un hangar d'un pâteur, dit le bois, pour dire au bas, puisque j'ai de bois. Et. Arrête là. Il y avait des. Oh, écoute. Des résistants. Ouais. Castel de l'hangar. Il y avait un coucher, c'est plutôt comme ça que c'était. Et puisque là, les autres avaient revenu plutôt à Mojou, à Sens. Elle est résistante, c'est un costume de l'Sutuf, les Allemands, Castin au château, il y avait des ceux qui venaient à Alsace. Ah, c'était au château, les Allemands. Les Allemands, oui. Château de Bestel. Ça, c'était des gros d'abord. Ça, c'était des commandants et ça, c'était un poste de commandement. Je ne sais pas. Mais il y avait des Allemands au château de Bestel, quoi. Ah, il y a des Allemands au château de Bestel. Et des cours qui venaient à Alsace, et je sais bien que papa de Joe. Et il espérait du costume de l'Sutuf. Et il discutait, ma foi, ça se fait du connaissance. Et les autres, c'est un injure. Mais les Allemands savaient bien. Non, les résistants savaient bien que ça c'était des Allemands, mais les autres, non. C'était un injure, mais en costume ou en je ne sais pas quoi. Mais il fallait discuter, ça se trahit, ma foi, pour moi. Donc au Viatch, il n'y aurait eu vraiment la du guerre de 40 spécial, années. Non. Non. Et vous avez fait la cesse toute la guerre et. Ah ben, vous avez dit des cahiers aux Allemands à la réquisition qu'on a causée. Ah oui. Quand les coursés et tout ça, les couchés là. Les Allemands, ils perdaient des couchés ou des histoires pareilles. Non, je ne sais pas qu'il y avait. Des couches à Castellage au parc Padri. Ah oui, c'est ça qui. Oui, Castellage en liberté. Oui, comme. Ouais. Et que. Ma foi, j'ai resté. Pour la rentrée, pur. Pur que. Et alors, il y a rien qui a tiré sur les couches. Un Allemand. Elle est tuée. Elle a retoué. Ah, il semble bête, c'est ça. Ouais. Un Allemand. Un Allemand qui a retiré sur eux. Alors là-dessus. J'ai été par il y avait un chalet, oui, un clôture à vous, Padri. J'ai été à Mougilin, hein, qui va chez vous, qui va chez vous, veille, et la ville est venue en Gulli. Oui, il y avait des Allemands à Mougilin, et quoi? Il y avait des Allemands qui couchaient aussi, c'est une planalisie, les villes refusées, de façon. Hein. Ah oui. Des Allemands qui couchaient à Mougilin. Ben, il y a un chef qui est moutou couché. Donc, vous avez trouvé un chef pour faire condamner le soldat, quoi, qui avait tiré sur le pourcès. Il avait tué le couché, ça c'était tout. Oui, mais il s'est fait engueuler pour les autres. Pour chef, ma foi. Pour chef, ma foi. Donc, les Allemands avaient quand même de la discipline à deuxer. Et la commandature, c'est un monogel. Ah, au café. Ah, ça fait qu'il fallait que je vache à la commandature. Ah, oui. Pour expliquer. Je ne sais plus comment ça c'était. Et ils veulent repayer, non? Ah oui. Ils veulent repayer. Oui. Ils veulent repayer le couchet. Ah oui. Et il y a un soldat qui m'a dit après, et que ça ne voulait rien dire, qu'il ne se freinait tout à cause qu'il avait fait ça.
Ben, j'ai dit, ça serait déjà malheureux de trouver un homme pour un coucher. Pour un coucher, oui, c'est ça. Ah oui, donc, mais comme quoi, il y a quand même une discipline qui... C'est que la commandanture restait au café et il avait le droit de verre des gouttes aux Allemands. Ça, c'est un règlement, ça. Oui, mais enfin, alors, si là, c'était... Ben, dis, écoute, de cette façon-là, une plein air fusée. Ben non. Mais il payait un dangereux, hein. Le chef, tu savais, avait des sous, hein. Ah, c'est ce qui te sent aussi, Jean-Pierre. Ah ben, c'est secondaire, tout, c'est... Est-ce qu'il nous a déjà payé mais d'une journée, il a été un lundi, mais d'une journée. Il a été C'est païen, c'est une païenne, hein, mais... Hein? Ben, si on avait un impayé, le kafki ne saurait racheter de gouttes, ne saurait racheter de cayenne au peu, donc c'est qui païen, hein. Parce que... Dans les 16, je veux dire que il a quand même, il achetait des cahiers et qu'il y a des ainsi qu'on devenait riche à Tadulguerre, en 20 ans. Ben, est-ce qu'il achetait un aïeux pour Mouniers? Ah oui, mais ça veut dire qu'il payait, ce n'est comme des guerres qu'il y a, parce que les soldats qui arrivaient dans le pays, ils volaient, hein, tu vois ce que tu veux dire? Ouais. Ça, c'est toi quand même, tu vas dire, des soldats civilisés, quoi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite refusée. Oui, mais il y a des coups. Mais c'est paillé ou non paillé, c'est ça qu'on discute. Quand c'est la guerre, il y a des coups qui arrivaient, ben, ils purnaient le cahier puis ils se rouillent. Mais ça n'a pas dans le cas avec les Allemands. Mais ça, c'était la commandanture, ils devaient me regarder. Hein. Oui, mais ils paillaient. Quoi. Quand il y avait d'Angie d'un coucher comme ça, ben, ils achetaient. Probablement, puisque, comme tu dis, si quand il y a tout et couché, si on était orgueilleux, c'est qu'il n'a pas d'un accord. Autrement, il aurait appris et puis... Le soldat m'avait dit qu'il n'avait pas le droit. D'une ruveur, puis maman, elle va sur les coups, a vu le télégramme. Il est mort en héros.